Nous, l'amour, grande terre, basse terre, Marie Galante, retenez des solides, les sept, la Désirade, Saint-Martin, Saint-Baut, Haïti, Saint-Domingue, la Réunion, la Guyane, Barbade de Trinidad, Tobago, la Jamaïque, Mayotte, tout le monde, l'amour. Au Panama, Cuba, Miami, New York. On sait que pour attraper des bougons à New York, il y a red. Force et courage. Toutes les États-Unis, Québec, Canada, Toronto, Montréal, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux. Tout le monde. L'amour, tout, Montpellier, tout le monde, allô l'amour. Eh ben voilà, people. Donc, je pas peur, on peut commencer à crier, nous, 05 90 96 10 10. Et aujourd'hui, là, nous allons parler d'habiter positif, parce que ni des jeunes, ni des Guadeloupéens, en jeunesse actif, et des jeunes qui ont porté manœuvre, qui décidaient de prendre les choses en main, pour garder caillou peut faire à notre temps de pandémie là ça caillou peut faire si moun pas fait mais yo ka fait et nous ka directement commencer voir des vidéos on way garder ça yo fait et après nous ka joindre yo par Skype on way voyez nous. Les amis, bonjour, comme d'habitude, vous savez qui c'est Charlie. Et ben là, maintenant, je recevoir les visières et tout, pour les personnels soignants et tout, que, comme j'avais dit, bien sûr, le combat continue. Les visières sont arrivées, donc on va les réceptionner pour les personnels soignants. Comme ça, ils pourront avoir des visières pour pouvoir effectuer leur travail de santé publique pour toutes les personnes qui en auront besoin. Voilà, les amis. Et ben voilà, donc les visières, je vous montre, les amis. Voilà, les visières sont arrivées. Voilà, c'est les modèles de visières qui sont arrivés. Donc ils vont être livrés et tout. Donc pour vous, les personnels de santé, pour que le travail se fasse en Guadeloupe. Parce que même si on n'a pas beaucoup d'aide, mais au moins l'aide citoyen est là. Il ne faut pas l'oublier. L'aide citoyen est toujours là. Voilà, maintenant plus qu'à faire la distribution. Ça, c'est le plus important, les amis. À bientôt, les amis. Charlie, bisous. Bonjour, je suis infirmière en réanimation dans le bureau des visiteurs. Je suis de Guadeloupe, donc je tiens à remercier Charles Desvarieux et DJ Wheeler pour le don de ces visières qui vont nous être très utiles lorsqu'on va aspirer les patients atteints du Covid pour ne pas recevoir les projections au niveau de notre visage. Donc, en ce moment, l'équipe soignante est très stressée, c'est une situation difficile, donc du coup, on demande à tous les Guadeloupéens de nous aider et de rester chez eux afin qu'ils n'arrivent pas en réanimation parce que ce sont des soins très techniques et invasifs et la famille ne peut pas venir vous voir, donc du coup, c'est assez difficile. Donc, restez chez vous et les collègues, venez. Restez chez vous, on n'aura pas de place pour tout le monde. Juste pour remercier Charles Desvarieux et DJ Wheeler pour leur geste citoyen aujourd'hui. Merci pour ces visières qui vont nous permettre de prendre en charge correctement et apporter un plus à tout le matériel qu'on avait. Merci pour ça. Alors explique-nous ta fonction ici.
Donc, je suis infirmier anesthésiste. Je m'occupe de l'encadrement des urgences. Ok. Donc voilà. Voilà. Donc, c'est un service spécial dédié aux urgences Covid-19. C'est un service spécial. Nous sommes en première ligne pour l'accueil des patients Covid-19. Est-ce que ces visières vont être utiles pour vous, du coup ? Elles vont être utiles. Elles vont continuer à apporter le plus qu'on attend, en fait, pour la prise en charge. On va pouvoir prendre les patients en charge correctement. Et voilà, c'est vraiment un plus pour nous. Très bien. Et quel message tu aurais à faire passer à la population aujourd'hui ? Toujours le même message qui est diffusé depuis le début de la crise, c'est-à-dire restez chez vous, suivez les indications, restez à l'écoute. Et toutes les informations vous sont données. Donc, restez chez vous et voilà. On va y arriver ensemble. Merci à toi. Bon courage à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le don. Et donc, on aura bon usage. C'est quel service chez vous ? Le bloc des urgences. Très bien. Alors, vous rencontrez quoi aujourd'hui comme difficulté sur le terrain au jour le jour ? Ben, surtout les suspicions. Donc, on n'est jamais vraiment fixé et on est toujours sur le qui-vive. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour être au top de l'efficacité ? On a tout ce qu'il faut maintenant. Avec ses visières. Non, mais c'est une bonne chose. Merci beaucoup pour le don. Et bon courage à vous. Merci beaucoup. Merci encore. Habitants de Pointe-Noire, bonjour. Je me présente Ludivine de la Robertière. Je suis aide-soignante dans un hôpital de Paris. Je vous demande d'être très attentif à ce que je vais vous dire. Ne rigolez pas avec le coronavirus. Ne pensez pas que ce n'est pas grave. Parce que je peux vous dire que, en ce moment, 10 faits à Paris, en France, tout partout, dans les hôpitaux. L'hôpital a moins changé. Nous avons soins palliatifs, nous avons une unité corona, Covid-19. Tout l'hôpital là, c'est coronavirus, nous n'y. Covid-19, nous n'y. Moun ka mort, par paquet, tous les jours. C'est des gens qui étaient bien chez eux. C'est des personnes âgées, peut-être la soixantaine. Ils ont fait des ménages à eux, à casa eux, ils ont fait des tijades à eux. Et quand ils sont là, en 5 jours, ils ont parti, famille à eux, pépa, vrai, yo. Famille à eux, pépa, ni pour contacter avec eux. Nous avons mis eux à dans ous. Et après, c'est terminé. Moi, ça m'arrache le cœur. Ça m'arrache le cœur parce que je suis dedans. Je suis dedans. Et je mets ma vie en danger, la vie de ma famille, de mes enfants. J'ai ma petite qui est à la crèche de l'hôpital. Donc, s'il vous plaît, restez confinés. Vous êtes en sécurité. Vous avez la chance d'être ouvert. Les portes sont ouvertes chez vous. Vous avez le jardin autour de la maison. Franchement, c'est triste ce qui se passe en Guadeloupe, en France actuellement. C'est triste. Là, vous voyez des couloirs vides. Tout le monde est confiné dans leur chambre. Voilà. Et sincèrement, je ne sais pas quoi vous dire d'autre que de rester chez vous. Restez chez vous. Allez, je retourne au combat. Mes collègues m'attendent parce que depuis ce matin, 6h30, c'est ça nous qu'a fait. Rentrez patient, sortez patient. Mettez-vous dans rousse, descendez-vous. Et c'est en qui ça nous qu'a fait quand il est là. Et moi, j'essaie de retenir mes larmes par rapport aux familles. On n'arrive pas à leur dire les choses vraiment. Voilà. Donc, c'est chaud, chaud, chaud. Et je n'ai pas envie ça pour la Guadeloupe. Je n'ai pas envie ça d'entendre que les gens... La Guadeloupe, trop petit. Si la Guadeloupe mettait en l'air à la France, Pierre était mon en Guadeloupe. Donc, respectez ça. Merci beaucoup. Je retourne au combat. Allez, bye bye. Bonjour people. Donc je vois nous commençons en Guadeloupe après nous passer à Paris. Donc le premier vidéo que j'ai fait avant dernière là, c'est des vidéos où un jeune Guadeloupéen décidé roter l'argent en pochaille, crier d'autres monde pour permettre des visières de protection pour les pompiers, pour le corps médical, mais il est venu et qui explique nous ça. Et deuxième vidéo là, quand on s'y voit là, enfin, dernière vidéo là, quand on s'y voit là, eh bien, c'est challenge là qui a dit nous qu'il fait là. Hashtag Ange Gardien en nous.
C'est exactement ça. Son challenge où toutes ces mounas qui au front, toutes ces mounas qui en contact avec le virus qui a goumé, et bien qu'exprime yo et qu'a dit la vérité. Donc nous allons revenir sur ça. Mais avant, nous allons commencer par du positif et nous allons écrire M. Charlie. Nous allons écrire Charlie. Anyway, nous allons dire oui. Charlie? Eh ben, je suis là, Chicanos. Après, qu'attendez-vous? Big up, c'est brisalisation. Pas mettre plus sur la tour, la famille. Allô? Eh ben, allô, bonjour. Alors, Charlie, nous voit. Alors, est-ce qu'on peut expliquer, nous? On a déjà l'idée, la partie, de dire, où est l'argent pour Charles pour aider peuple nous? Qui a ça commencé? Cadre aussi, moi. Mettez-vous plus par là. Ouais. Non, l'autre côté là. L'autre côté là. Voilà. Encore, ouais. Voilà, super, vas-y. Voilà. Eh bien déjà, bonjour la Guadeloupe. Bonjour la Guadeloupe. Bonjour ma commune Saint-François. Et bonjour à tout le monde en Europe, dans le monde entier qui souffre aujourd'hui du coronavirus. Alors pour moi, sincèrement, ça a été une grande initiative de faire ça. Ça vient du cœur. Ça vient d'un citoyen simple, lambda. Quelqu'un qui donne, qui a toujours donné. On sait où me trouver, on sait où me demander quelque chose. Je suis toujours là pour les autres. On ne pourra jamais dire le contraire. Allez, Charlie, alors combien visia vous commandez? Alors, franchement, Chicanos, au départ, on était sur 450 visières. Okay. 450 visières au départ. OK. Mais j'ai vu que la demande était tellement importante que même moi, j'ai été dépassé par les événements. Les gens m'appelaient de partout. Je sais. Et qu'est-ce que tu as dit, Charlie? Qu'est-ce que tu as dit? Eh bien, les gens étaient en galère, les gens étaient en panique. On ne peut pas aller travailler, on a la boule au ventre, on se réveille le matin, on quitte nos familles, on n'est pas bien, on ne sait pas comment on va faire. On ne sait même pas si on aura le coronavirus, on ne sait pas si on pourra aller soigner nos patients. Vous imaginez même pas. Mais c'était impressionnant, les gens avaient peur. Et ils ont peur encore. C'est tellement grave ce qui se passe que je vous dis sincèrement, il fallait absolument que je me suis dit non, il faut faire quelque chose avec DJ Wheeler. On ne peut pas rester comme ça. Les gens souffrent. Nous sommes DJ Wheeler. Les gens demandent à l'aide. Ils demandent à l'aide. C'est comme si quelqu'un te dit au secours, au secours, aidez-moi. Mais tu as l'impression que personne n'écoute, personne n'entend. Il n'y a personne qui entend. Eh bien, finalement, tu as des gens qui font du travail, des citoyens simples. Et ce n'est pas spécialement des gens qui ont les moyens. C'est des gens, la plupart du temps, qui ont des petits moyens, qui se lancent dans ce combat. Alors, Charlie, nous allons parler vraiment pour ce que nous comprenons. À peu près, ou par rapport à mon chiffre exact là, combien d'argent on dépense là? Eh bien, franchement, Chicanos, moi, ça vient du cœur. J'aime pas trop parler d'argent. Mais si nous parlons concrètement, nous parlons de 10 000 euros. Oui. Donc, on investit 10 000 euros pour protéger, quand on a crié, ange gardien, nous, toutes ces mounas qui ont goumé contre maladie là. Eh bien, tu viens de dire le mot, nos anges gardiens. Et sans ces anges gardiens, je pense qu'à mon avis, il y a beaucoup de personnes qui ne seraient plus sur cette planète. C'est clair. D'accord? Et si les gens n'ont pas encore compris ça, et les gens gardent leurs poches fermées, ils ne s'ouvrent pas, ils ne disent rien, eh bien, il n'y a rien qui se fera. Je l'ai toujours dit, en période de guerre, il faut du matériel pour gagner une guerre. Parce que ceux qui sont au front, ils ont besoin de matériel. Et si personne ne leur donne le matériel, eh bien, la guerre est perdue. Eh bien, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de donner du matériel. Il n'y a pas si longtemps, je veux le dire parce qu'il faut le dire. Tout le monde est capable d'élection. Tout le monde est capable de dire, je vais révolutionner. Je vais changer les choses. Je vais faire plein de trucs pour vous, pour vos familles, pour la commune. Tout le monde va faire plein de choses. Plein de choses. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment de faire de l'élection.
C'est pas le moment de... faut mettre à disposition de la population, faut accompagner la population. Il faut se mettre au travail. Il faut montrer que ce que vous avez dit, même pendant les périodes électorales, que vous allez le faire. Et faut s'en faire. Alors, parce Charlie, combien de visières vous aurez distribué là? Eh bien, honnêtement, on a encore des cargaisons qui vont arriver. Non, mais pour l'instant, combien ils ont déjà fait? Ils auront distribué. Alors, pour l'instant, on en a fait, que je ne dise pas de conneries, on a fait 550 visières, moi et DJ Wheeler. Alors, on les a distribués, à peu près, donne-moi un peu les endroits où vous êtes allés distribuer. Eh bien, on a été, alors déjà, donc on a fait ça en deux parties. Donc, il y avait une partie sur Saint-François, ma commune, parce que c'est là où je réside, c'est là où toute ma famille vit. Et donc, moi, aujourd'hui, je me suis dit, j'ai des gens que je connais de Saint-François, je suis né là-bas, ils auront peut-être pas de solution par rapport à leur infirmière et infirmier pour les soigner. Donc, j'étais obligé aujourd'hui de me dire qu'il fallait absolument donner aux infirmières et aux infirmiers libérales et libéraux des outils de travail pour pouvoir permettre aux gens, justement, de pouvoir avoir ce qu'il faut pour être soigné par ces personnes, ces personnels soignants. Pareil, je l'ai fait pour les pompiers. Je sais que hiérarchiquement, on attend toujours des décisions pour que ça soit pris, pour que ça soit pris en compte. Mais moi, je ne cherche pas. Moi, je donne pour que les gens puissent pouvoir aller travailler. Si on a des casernes qui ont 4 pompiers, 5 pompiers, parce que les volontaires ne peuvent pas venir, eh bien, moi, je donne l'opportunité peut-être aux volontaires de se dire, eh bien, tiens, on a du matériel pour vous. Alors, venez. Venez nous aider. On a besoin de vous aussi, la population. Donc, d'accord. Moi, ce que je le fais pour tout le monde. Tout le monde à Saint-François et aussi la deuxième étape, c'était le CHU avec DJ Wheeler. Il a distribué dans les services à réanimation. On a donné aussi au SAMU, personnel SAMU. On a donné aussi au pancardier. On a fait pas mal de services. On a donné aussi au COVID-19. On a même privilégié les agents de sécurité parce qu'ils sont, ils voient toujours du monde tout le temps. Et ils n'avaient pas de visière, même si leur patron leur avait donné des choses. Mais c'est un plus pour eux. Alors, Charlie, on sait que tu as commandé encore d'autres visières. Combien de visières tu as commandé encore? Alors, j'ai commandé 420 visières en plus. Donc, en tout, ça fait combien? Ça fait 920 visières. 920 visières pour un montant de près de 10 000 euros. Mi jeunesse en nous qui travaille. Gros big up à Charlie, gros big up à DJ Wheeler. Mi jeunesse en nous qui entreprend, qui porte manœuvre. C'est ça. On l'en met à laver l'autre, c'est ça. C'est ça qu'a dit depuis 10 ans. On nous entreprend, on nous fait. Alors Charlie, vous allez recommencer la distribution quand? Alors on va continuer demain avec DJ Wheeler et aussi Jimmy le pompier à Saint-François. Parce d'accord. Que lui aussi c'est un relais. Parce que c'est là où les infirmières et les infirmiers passaient. Et DJ Wheeler a fait un travail extraordinaire. Félicitations à lui. Franchement. Nous, Kabi Gompli, on va essayer de l'avoir tout à l'heure. Comme le réseau est pas stable, on ne peut pas prendre deux mêmes personnes en même temps. Mais on va essayer de rentrer en contact avec lui aussi. D'accord? Il a fait un travail extraordinaire. Et l'action n'est pas finie pour Saint-François non plus. D'accord. Parce qu'à partir de demain, dès que je vais recevoir les visières, les médecins qui ne pouvaient pas aller travailler parce qu'ils n'avaient pas de masque, ils n'avaient rien, eh bien, ils pourront aller récupérer des visières aussi. Ils pourront aller aussi s'occuper de leurs patients. Et il n'y a pas que ça. Les alors, on va rappeler que Charlie, son restaurateur, parce qu'il faut dire ça, Charlie, vous ne pouvez pas parler, maman qui parle. Son restaurateur que tout le monde connaît. Et sa belle voix, Yona Lot. Nous, quand ils viennent manger à Kazaï, mais ils vont mettre près de 10 000 euros. Près de 10 000 euros pour payer Haï. Pour Ange Gardien, nous. Pour Ange Gardien, nous. Et il peut aimer parler, il peut aimer, mais moi, je dis, Charlie, il faut parler. Quand là, c'est moi, je parle parce que c'est vous qui humble. Quand vous voyez, essayez de dire sur les réseaux sociaux, ou un élu de Saint-François. C'est pas un élu de Saint-François. Il pisse ses casquettes, mais il fait servir l'argent. Ouais, non. L'argent, il n'y a pas de chahi. Il est comptable, il a salué la comptable. Ouais, coucou. Ouais, madame Jaouli. Et il a félicité, gros big up. Pour ça, nous allons faire, nous allons passer ces autres vidéos-là. Est-ce qu'on est habité à dire avant de nous raccrocher? Eh bien, franchement, honnêtement,
je voulais remercier toute mon équipe qui m'a accompagné. Vas-y. Je voulais remercier aussi DJ Wheeler. Je voulais remercier Jimmy le pompier. Je voulais remercier ma compagne. Je voulais remercier aussi tous les personnels soignants, tous ceux qui sont aussi dans le domaine sécuritaire pour notre santé et pour notre bien-être de demain. Alors, attendez-toi là, Shaoli. Vous ne pouvez pas publicité, son restaurant, c'est les pieds dans l'eau. Non, mais faut dire, son restaurant, c'est les pieds dans l'eau. Donne l'adresse, vas-y. Oh, tu sais, j'avais pas envie de trop te c'est faire ça. C'est moi qui dis ça, vas-y. Oh, c'est les pieds dans l'eau à Saint-François, à côté de la base nautique de Saint-François. Voilà. Ça fait 40 ans que c'est là. Et on mange très bien là-bas. Ça fait des années que c'est là. Et c'est on mange très très bien là-bas. C'est ma mère qui fait la cuisine là-bas. Je tiens à le préciser. C'est pas moi qui fais la cuisine, c'est ma mère qui fait la cuisine. Donc voilà, c'est un on la salue, on la salue. Hein. Petit coucou pour ah elle. Il n'y a pas de problème. Ah ben, elle a dû entendre déjà. Ben oui, alors... En tout cas, franchement, je remercie tous ces gens-là. Et pour dire encore... Attends, Shaoli. Shaoli. Mettez-vous pas là. Voilà, super. Voilà. Et j'aurais un autre truc à dire aussi. J'aurais des visières ou des employés communaux de ma commune à Saint-François. Si les gens de la commune veulent se rapprocher près de moi, ils ont mon numéro. D'accord. Par contre, je vais dire aussi une chose. Les petits commerçants qui vendent de l'alimentation sur Saint-François, les petits commerçants qui vendent à manger, je parle de petits commerces, tu sais, les choses qu'on avait à l'ancienne. Les lolos, les petits lolos. Ouais, les petits trucs alimentaires. Tu vois, comme par exemple, on va donner un nom, Christian Mirin, la famille Mirin. Eh bien, je vais doter ces petits commerçants de visières. À Saint-François, on est multiculturel. On a des Haïtiens, des Dominicains. Ils ont des petits magasins. Eux aussi, on va leur donner des visières. Parce qu'eux aussi font partie du combat. Parce que c'est eux qui donnent à manger à ceux qui sortent pour aller récupérer à manger et rentrer chez eux. Alors, ces gens-là en auront aussi. Et on ne va pas les oublier. En alors, ne raccroche pas. Ne raccroche pas. Zeb, voyez des trois vidéos encore. Nous allons voir des trois vidéos. On va. Et ben, merci. Le SAMU 87.1 remercie Charles Desvarieux et son initiative exceptionnelle citoyenne pour pouvoir nous protéger, nous soignants qui sommes au combat tous les jours en ce moment. Et merci pour nous tous. Apparemment, il n'y a pas que nous, il y a aussi les infirmiers libéraux, et les pharmaciens, etc. Donc merci à tout le monde et merci surtout à Charles Desvarieux pour nous. Parce qu'on a un manque de moyens, comme vous savez tous. Et, justement, qu'est-ce qui te manque sur le terrain aujourd'hui avec tes équipes? Sur le terrain, il nous manque quoi? Il nous manque, il faudrait qu'on ait tout le temps des masques, comme ceux que j'ai là en ce moment, des masques FFP2, il faudrait qu'on ait des gants tout le temps, il faudrait qu'on ait des surtout tout le temps. Ce genre d'initiative avec les visières, c'est super, parce qu'en plus on peut les désinfecter, on peut les laver, les réutiliser, donc c'est parfait. Et puis voilà, donc moi je remercie. Hein. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, bon courage à vous. Boudoum, nous quoi vous encore des autres. Restez là, écoutez, au nom du personnel du SAMU et des soignants du CHU, je félicite cette initiative de la réactivité de notre tissu socio-professionnel guadeloupéen, de mettre en œuvre la fabrication de ces visières tout à fait intéressantes dans la protection des soignants. Et cette mise à disposition gracieuse nous fait chaud au cœur, nous qui sommes les premiers à aller sur le terrain. On les avait vus conçus sur des reportages nationaux et de voir que nous avons la réactivité optimale au rendez-vous, ça fait très plaisir et chaud au cœur au personnel du SAMU. C'est un grand plaisir. Bravo. Et qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour être dans le top de l'efficacité pour contrer les effets Covid-19? D'avoir autant que possible des équipements qui ont fait leur preuve et puis surtout que les personnes restent confinées pour qu'elles évitent le nombre très important de cas. Et c'est surtout grâce à vous aussi qu'on pourra relayer sur le terrain l'intérêt du confinement et d'essayer vraiment de garder les distances lors des contacts avec des personnes. Et surtout de se désinfecter autant que possible les mains. Voilà. Bon courage à vous. Merci beaucoup.
Donc les amis, je suis au CHU de Pointe-à-Pitre. Et donc voilà, comme dit, comme fait, je le dis, je le répète encore une fois de plus, nous sommes là pour les personnels de santé et aussi pour les personnes qui sont en charge aussi de faire la sécurité. Donc voilà, je suis avec un agent de sécurité, il est là. Est-ce que tu es content de recevoir ces visières? Oui, oui, bien sûr. Il nous donne des visières, c'est bien, ça va nous permettre de nous mettre plus en sécurité. Merci à lui. Ça vous manquait beaucoup d'avoir de la sécurité, surtout par rapport aux visières? Eh bien oui, bien sûr. Bien que notre employeur avait déjà fait le premier geste, mais là, ça ne sent pas personne, ça sent encore mieux. D'accord. Merci. En tout cas, c'est la société Falcon Security. Hein, c'est la société Falcon Security qui s'occupe de la sécurité du CHU de Pointe-à-Pitre. Eh bien voilà, un agent de sécurité qui sera content aujourd'hui d'avoir eu ses masques. Et je pense que son patron aussi sera content. Je lui ai donné mes coordonnées, il m'appelle, ils en ont besoin demain. Eh bien demain, ils seront encore livrés en masque. Ça, il n'y a pas de problème, tu as le numéro du patron. Okay, en tout cas, merci à toi. Et puis ben, j'espère à très bientôt et bon courage. Force qu'on y aura dit. Ok, merci. Ben, force à tout le monde. Ok. Bonjour, alors Charlie, quand tu veux rajouter? Vas-y. Que dire? J'espère juste que l'esprit citoyen fera de même. Parce que notre action à nous, par rapport à ce qu'on a fait, eh bien, je pense que on a fait des heureux sans être heureux, en fait. Et j'espère vraiment que les gens vont se mobiliser, les hommes politiques, les chefs d'entreprise, parce que même les gens qui n'en ont pas... Un message, Bayo. Eh bien, tu sais, comme je dis, je suis citoyen, j'ai fait ça en tant que citoyen, je le répète bien, en tant que citoyen, je ne l'ai pas fait pour autre chose. Parce que dans l'urgence, on a les personnes au combat qui en avaient besoin. Je n'ai pas compté, peut-être demain c'est moi qui sera peut-être avec le Covid-19, et c'est eux qui vont me soigner. Parce qu'ils ont du matériel. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas compris. Ils dorment sous leur laurier. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va gagner cette guerre. Alors tous ceux qui peuvent faire 20 visières pour eux, 30 visières pour eux, faites-le, n'attendez pas. Alors j'ai une question. Où sont fabriquées ces visières? Alors c'est simple, je vais le dire concrètement. Il n'y a pas mieux, j'ai eu le patron aujourd'hui. Par jour... Il peut produire 200, 300 visières. Donc c'est fait ici, localement. Ça fait de Guadeloupe. Mais bien sûr, c'est une société locale en plus. Redire ça encore. C'est une société locale. C'est clair. Y a pas, et le cas de Guadeloupe, nous ne pas ça faire rien. Mais le cas de Guadeloupe, nous pas ça faire. Redire encore. Mais c'est une société locale. Alors c'est quoi et le nom? Donne-nous le nom. L'adresse. SFP Publicité à Saint-François. Vous allez le trouver sur Internet. SFP Publicité, vous avez besoin de visière, vous les appelez. C'est vrai qu'ils ont du travail parce que je leur ai donné du boulot et ils en avaient déjà aussi. Mais tout le monde peut faire un geste. Tous les gens peuvent faire un geste. Vous avez besoin de 20 visières. Vous allez les voir. Vous avez besoin de plein de visières. Allez les voir, les chefs d'entreprise. Ne gardez pas la poche fermée. Ouvrez la poche. Faites quelque chose, les hommes politiques. Vous avez gagné de l'argent grâce à nous. C'est nous, les contribuables. Alors faites. Assumez. Assumez les paroles. Parce que vous êtes là. Vous venez de me voir chez moi pour voter pour vous. Eh bien, assumez ma protection. Donnez ce qu'il faut aux gens. Et après, on en parlera un peu. On dira que vous avez au moins... Et des donneurs comme moi, un citoyen lambda, mais sauf que vous, vous êtes des élus. Et c'est ça qu'il faut encore, c'est ça qu'il faut que la population sera contente. On n'est pas à l'heure politique, on est à l'heure de la disposition et de la responsabilité pour nos concitoyens et nos personnes soignantes qui sont devant cette... Je ne sais même pas quoi dire, parce que ça n'a plus de nom, le coronavirus. Il tue tous les jours des milliers de gens. Et demain, ça peut être pour famille. Alors, Shaoli, nous qui suivons déjà toute bitelle, toute distribution là, nous qui suivons demain, après-demain, vous, DJ Willow, toute équipe là, on va remercier, on va féliciter pour l'action, vous et toute équipe là, parce que vraiment, c'est ça nous bisons en Guadeloupe. OK? Et à
d'un coup, à Miss Olympia, c'est rentrer en contact avec DJ Wheeler aussi, d'accord? Mais il n'y a pas de problème, en tout cas, merci beaucoup. Pas de je problème. Je remercie tout le monde. Si j'ai oublié quelqu'un, pardonnez-moi. Je remercie tout le monde, comme on m'appelle de partout. Je remercie tout le monde. Je remercie le personnel soignant. Vous inquiétez pas, demain, il y a encore des livraisons hein, à la polyclinique. On a un service où on va aller. On a aussi des livraisons sur Saint-François. On va faire des choses. On ne va pas vous oublier, même si ce n'est pas facile. Après, je ne pourrais plus rien faire. Maintenant, c'est aux autres d'agir. Parce que j'ai fait ma partie. J'ai contribué à la vie, à ma vie et la vie de tout le monde. Alors maintenant, c'est à vous de faire les choses. Je ne pourrais pas vous le dire plus. Maintenant, à bientôt. Pour moi, c'est ça. De toute façon, on va connaître Charlie. Nous parlons là. Boudoum. À bientôt. En tout cas, alors, merci à vous, Canal. Pas de problème, la famille. Donc, nous allons revoir la vidéo à taler. Parce que la vidéo là, ça, c'est exactement ce challenge là. Hashtag ange gardien en nous. C'est pour toutes ces mounas qui au front. Vidéo là, ça, vous voyez au moins 40 fois bon moi. Il qui a sorti depuis Paris. Nous allons revoir la vidéo là, ça. Voilà. Hashtag ange gardien en nous. En nous, ouais. Habitant de Pointe-Noire, bonjour. Je me présente Ludivine de la Robertière. Je suis aide-soignante dans un hôpital de Paris. Je vous demande d'être très attentif à ce que je vais vous dire. Ne rigolez pas avec le coronavirus. Ne pensez pas que ce n'est pas grave. Parce que je peux vous dire que, en ce moment, 10 faits à Paris, et en France, tout partout, dans les hôpitaux. L'hôpital a moins changé. Nous avons des soins palliatifs, nous avons une unité corona, COVID-19. Tout l'hôpital là, c'est coronavirus, nous n'y. COVID-19, nous n'y. Moun ka mort, par paquet, tous les jours. C'est des gens qui étaient bien chez eux, c'est des personnes âgées, peut-être la soixantaine. Ils ont fait un ménage à eux, à casa eux, ils ont fait un jardé à eux. Et quand ils sont là, en 5 jours, ils ont parti, famille à eux, puis pas vrai, yo. Famille à eux, puis pas ni pour contacter avec eux. Nous avons mis eux dans l'ours, et après, c'est terminé. Moi, ça m'arrache le cœur. Ça m'arrache le cœur parce que je suis dedans. Je suis dedans et je mets ma vie en danger, la vie de ma famille, de mes enfants. J'ai ma petite qui est à la crèche de l'hôpital. Donc, s'il vous plaît, restez confinés. Vous êtes en sécurité. Vous avez la chance d'être ouvert. Les portes sont ouvertes chez vous. Vous avez le jardin autour de la maison. Franchement, c'est triste ce qui se passe en Guadeloupe, en France actuellement. C'est triste. C'est... Là, vous voyez des couloirs vides. Tout le monde est confiné dans leur chambre. Voilà. Et sincèrement, je ne sais pas quoi vous dire d'autre que de rester chez vous. Restez chez vous. Allez, je retourne au combat. Mes collègues m'attendent parce que depuis ce matin, 6h30, c'est ça nous qu'a fait. Rentrez patient, sortez patient. Mettez-vous dans la housse, descendez-vous. Et c'est en qui ça nous qu'a fait quand il est là. Et moi, j'essaie de retenir mes larmes par rapport aux familles. On n'arrive pas à leur dire les choses vraiment. Voilà. Donc, c'est chaud, chaud, chaud. Et j'ai pas envie ça pour la Guadeloupe. J'ai pas envie ça d'entendre que les gens... La Guadeloupe, trop petit. Si la Guadeloupe mettait en l'air à la France, périté mon en Guadeloupe. Donc, respectez ça. Merci beaucoup. Je retourne au combat. Allez, bye bye. Boudoum, c'est ça le challenge. Hashtag ange gardien en nous. A décidé de faire challenge là ça. Et franchement, vidéo là ça, il a représenté vraiment challenge là. C'est ça qu'on m'a dit depuis une semaine. Nous allons commencer. Tous ceux qui sont au front, c'est-à-dire les docteurs, les SAMU, les pompiers, les infirmiers, les infirmières. Les aides-soignants, les ASH, les gens qui travaillent, qui font manger pour ces malades-là, les gens qui travaillent en literie, là, qui lavent ces draps-là, tout ça, le personnel qui a fait ménage-là, les ambulanciers, les éboueurs, les caissiers, tous ces gens-là qui ont continué de travailler malgré ça, faire vidéo à Zot. Qu'on se voit madame à Fetaï avec la vérité. Qui nous a ou? Qu'on fait? Qui risque de prendre tous les jours?
pour protéger nous et sauver vie en nous. Et vous voyez ben moi, chicanos mi ka oblique, si Facebook, un message privé ou par WhatsApp ou par mail, staypositive@gmail.com. De toute façon, vous avez tout connaître le numéro à moi. Vous avez que trouver moi pour jeune moi. Ok, nous allons partir côté téléphone. Allô? Merci beaucoup. Allô? Oui, Chica. Tu nous appelles d'où? De Saint-François. Le prénom? Jackie. On t'écoute, vas-y. Oui, je voudrais poser une question. Vas-y, vas-y. Les usiniers, normalement, devraient faire des solutions hydroalcooliques. Ouais. On voudrait savoir où en est ces solutions, parce que est-ce qu'ils les produisent, est-ce qu'ils les produisent pas? Est-ce qu'on peut avoir une réponse avec Chica? Bon, ok, je m'en renseigne toi de ça tout à l'heure, ok? En cagade, c'était là. D'accord, boudoum. Ok, bye. Alors, on attend vos appels encore. En même temps, il y a un client pour qu'il y ait un Skype. Criez-nous 0590 96 10 10. Ok, on prend un appel. Allô? Allô? Oui. Pardon, bonsoir. Oui. Tu nous appelles d'où? Bonsoir. Paris. Paris. Je téléphone, c'est pour justement féliciter Charlie. De Paris. Ok, alors. Pour féliciter Charlie. C'est quoi ton prénom? J'appelle de Paris. Oui, le prénom? J'appelle dans le 93. Prénom ou la famille? Qui prénom? Marlène. Vas-y Marlène, on t'écoute. Marlène, je suis la cousine de Jean-François Saint-Louis. Bon. Eh bien justement, Jean-François, bonsoir, est connecté. Envoie-lui un message, je le vois connecté. Jean-François, gros big up. Pas la guerre de travail, la gassif sans café. Eh bien Marlène est avec nous, c'est ta cousine. Bon. Envoie un message pour Jean-François. Donc, je téléphone, c'est pour féliciter Charlie. Oui. Charlie, c'est pour lui dire que le travail qu'il fait là, c'est un gros bis, c'est un beau travail, Charlie. Félicitations à toi. D'accord. Aussi à ta maman et aussi à ta compagne. Parce que, étant donné, pour une petite entreprise comme toi, que j'ai l'habitude de venir, et ma fille est venue avec ses enfants sous Saint-François, dans les bungalows, et c'est toi qui les nourrissais. Bon, nourrissais en gros, ils allaient manger chez toi. Et pour une petite entreprise comme toi, bravo pour le travail que tu fais. Parce que toutes ces grandes entreprises, d'ailleurs, auraient été toujours en soudine. Mais Charlie, bravo avec ta compagne, ta maman, pour d'accord, le boulot que tu fais. Alors Marlène. Et dis, big up. Marlène. Oui. En tout cas, justement, Jean-François connecté, envoyez sur Facebook, là, voyez un message, bah aussi. Bon, et GF, c'est Marlène. Voilà, gros big up, GF. Voilà, Laurie Noir. Boudoum. Laurie en force. Ah ben. Jean-François, tu sais quoi? Ma campette chicanos tout le temps. Le bagage est là, vrai, bagage est là, bon. Ma campette chicanos, que Dieu le protège. Merci la famille. Mais que bon Dieu mette la main à souille. Parce que chicanos, qui a fait un travail. Parce que JF, mon roi, et puis chicanos, carnaval. Mais là, quand j'ai passé le carnaval, hein, JF? Vous connaissez sous ça, finalement, ça vous met puis maladie et tout, Jean-François. Mais la chicanos, je regarde franchement, quand il y a dit pas ni frontière par maladie, pas ni frontière. C'est vrai, la famille. C'est ça qui est là, c'est parce que tout le monde a pas la main. Et ça, franchement, quand Charlie fait, hein, moi, c'est mon frère que j'ai jamais oublié. Alors, je vais aller en Guadeloupe faire vacances et puis. Marlène, arrête-toi, habite. Hein. Nous n'y allons surprise à l'émission. Arrêtez connecté. Viens, notre surprise encore. J'en ai ces surprises. J'en ai ces actions. J'en ai là, nous allons mettre en route. Alors, là où accrocher, restez connecté. Viens, notre surprise, Gavin. Regardez, hein. D'accord? Bonjour, Chicana. Oui. Boudoum. Bisous, bisous, la famille. Bisous, Chicana. On est notre surprise, ma population là. Voilà. Bisous, gros bisous. Voilà. Alors, nous avons Big Up Charlie et toute l'équipe de DJ Willow qui bat la population, enfin, justement, le personnel soignant, tous ces gens qui ont contact des visières. Mais là, nous avons une surprise. Nous avons battu en Skype encore. J'en ai essayé une surprise. J'en ai essayé action. Voilà. Alors, c'est dit qu'on n'a pas vrai. Remontez. Remonte la caméra. Encore. Tu m'entends ou pas, Cédric? Okay. Oui, je t'entends et toi, tu m'entends? Oui, mais remonte la caméra, remonte, voilà, encore. Bon, comme ça? Fais descendre. Ok, on t'écoute. C'est bon pour toi?
Oui, alors bonjour à toute la Guadeloupe. C'est vrai que nous avons une grande équipe qui m'entoure et depuis 2 semaines, ils font un travail formidable. Donc, notre équipe, la Guadeloupe, elle va faire des courses pour des personnes âgées, des personnes âgées et aussi des personnes malades. Donc, on va acheter les courses, on va acheter aussi les médicaments à la pharmacie, tout en respectant les et avec les autorisations. Donc, je tenais aussi à remercier les infirmiers et les infirmières municipales qui jouent le jeu avec nous. Alors, Cédric, tu as une grosse nouvelle pour la population. Une grosse nouvelle. Alors, on t'écoute, vas-y. Oui, alors, nous avons un gros projet en ce moment. En plus, semaine une ado. Donc, il y a à peu près 15 secteurs pour le côté qui attendent les secteurs. Donc, aujourd'hui, on a déjà acheté une bouteille. Bon, attends, Cédric. Cédric. Oui. En fait, ça rame, là. Ça passe mal. Je t'appelle directement sur ton portable. Tu vas répondre. OK? D'accord. OK, parce que ça passe mal et il faut qu'on entende ce que tu dises. OK. Je t'appelle tout de suite. Mais nous obligés de faire comme ça parce que nous ne pouvons pas attendre ça. Alors, Cédric, nous écoutez, vas-y. Oui, alors, comme je disais, donc, ça fait 2 semaines qu'avec mon équipe, on aide les personnes âgées, les personnes isolées. Attends, les personnes Zem, malades. Coupez le tout, là. OK, vas-y. Voilà. Tu m'entends bien? Oui, super. Oui, donc je disais, donc déjà, bonjour à toute la Guadeloupe, bonsoir à toute la Guadeloupe. Donc, avec notre équipe, ça fait 2 semaines qu'on aide les Guadeloupéens, les personnes âgées, les personnes isolées et les personnes malades du Covid-19, où on va faire leurs courses et on va acheter leurs médicaments à la pharmacie, tout en respectant les règles de sécurité avec les autorisations. Et je tenais à remercier particulièrement les infirmiers et infirmières libérales qui nous aident à mettre ce processus en place. D'accord. Alors là, quand on annonce, c'est nous là. Voilà. Qui action va mener là? Donc la semaine prochaine, et ça dépendra de l'aide des téléspectateurs de Canal 10. Nous avons l'objectif d'aider une population en souffrance. Il y a 15 secteurs du Gosier qui n'ont pas d'eau depuis 1 semaine. Et ils sont en souffrance, et vous savez qu'au-delà du confinement, pour lutter contre le Covid-19, il faut avoir de l'eau. Et ces gens-là n'ont pas d'eau. Donc on va leur livrer des bouteilles d'eau à ces 15 secteurs du Gosier. On aimerait faire plus, mais pour le moment, on n'a que 8 000. On aimerait augmenter et distribuer 16 000. Alors vous allez distribuer 8 000 bouteilles d'eau, c'est ça? Exactement, exactement. Mais on aimerait, et on profite déjà de Canal 10 et de ton émission Chicanos. Pas de problème. Merci encore de nous avoir accepté de nous écouter. On aimerait de l'aide pour acheter 8 000 bouteilles d'eau supplémentaires. C'est-à-dire de passer de 8 000 à 16 000 bouteilles. C'est ça l'objectif, c'est ça l'objectif. C'est ça la première bouteille qu'on envoie à la population du Gosier, aux entreprises, aux personnes physiques. S'ils peuvent nous donner un coup de main, ce serait déjà une bonne action. Après, on a un deuxième problème. L'entreprise, qui est la plus grosse entreprise qui vend des bouteilles d'eau en Guadeloupe, tous les chauffeurs, tous les camionneurs ont déposé leur droit de retrait. Mmh. Ça veut dire qu'on doit récupérer ces milliers de bouteilles à Jarry et on ne peut pas les laisser stocker là où c'est. Et on n'aura pas d'aide pour les distribuer. Et donc on a besoin de camions et de chauffeurs pour pouvoir récupérer à Jarry et distribuer dans les 15 lieux, dans les 15 secteurs du Gosier. Alors, est-ce qu'on peut mettre le numéro? Qui je vais rentrer en contact avec vous? Il y a 2 moyens. Mon téléphone, c'est 06 90 38 88 69.
06 90 38 88 69 et Facebook Cédric Cornet. Tout le monde connaît et vous venez soit en message, soit par WhatsApp, ou soit par appel normal ou SMS. Ah ben c'est lui que nous avons remercié. Et de toute façon, pas de problème. Depuis une information, on a crié moins, ben voilà. D'accord. Ben je remercie pour toute la solidarité. Je le redis, la seule manière de lutter efficacement contre le Covid-19, c'est le confinement et la solidarité. Et je tiens à féliciter tous ceux qui font quelque chose de positif en cette période difficile, parce que aujourd'hui, on est tous victimes de cette histoire et il faut qu'on s'en sorte par la solidarité. Donc, je remercie encore toutes les personnes qui nous soutiennent et toute mon équipe qui fait un travail remarquable. Boudoum. Ok, ben bonne soirée à tout le monde. Yes, I said it. Boum. Eh ben voilà, Zoka Voué, c'est des actions qui n'y action. Donc alors, c'est dit qu'on est dit nous que yo bizè distribuer de l'eau parce qu'il y a 15 côté au gosier qui pas ni de l'eau depuis un certain temps. Donc, yo j'en ai 8000 bouteilles. Donc, si yo tenu des dons pour arriver à 16 000, ce serait super. Mais yo y a un problème de logistique. Yo bizè des mouns qui va mettre à disposition à yon des camions et des gens pour pouvoir distribuer de l'eau là. Donc, pas hésiter à rentrer en contact avec 06 90 38 88 69. Là, nous pas à l'heure de la politique, nous à l'heure de l'action. Je vois que là, à des émissions, là, nous avons des concrets. Tous les jours avant, nous avons dit, ouais, non, là, c'est du concret, nouvelle action. Qu'a fait? Eh bien voilà, donc Charlie montre nos premières actions des visières avec DJ Willow et tout l'équipage. C'est dit qu'on est quand même qu'on a notre action. Eh bien c'est ça, les gens qui ont fait action. Pression, émotion, sensation, vibration. Eh bien, on voit qu'il est en bleu. Pourquoi en bleu? Parce que je là, qui peut crier 0590-96-10 pour expliquer nous pourquoi en bleu. En oui. Allô? Allô, Lolo? Donc, nous avons force et l'amour pour tout le monde qui connecte sur Facebook, l'amour. Tout le monde qui a suivi notre télé, là, l'amour. Nous avons force pour toutes ces mouna qui vraiment les premiers remparts, les premiers contacts avec virus là. Et ces mouna qui ont des lettres, nous avons oublié. Les femmes de ménage, les gens qui ont nettoyé tout côté. Eh bien, yon contact avec virus là, nous avons oublié yo. Les éboueurs, nous avons oublié yo. Les boulangers, nous avons oublié yo. Les caissiers, nous avons oublié yo. Nous avons battu côté téléphone là. Allô? Oui, monsieur Chicanos. Bonjour, tu nous appelles d'où? Je t'appelle de Kourou, en Guyane française. Et manquez pas en créole, puisque d'après vous, Divette Cassanger, Jocelyn, voilà. Camarade Eric Gène, oui. Vous Cassanger en novembre passé. Bien sûr, à Cassanger. Nous t'es ouais au Colombo, Cassanger. Exactement. Ou t'es qu'est toute formidable. Voilà. Alors, moi, j'ai des petites questions pour Mandeo. Vas-y, pas de problème, nous écoutez où. Alors. Et mon content tantôt, hein. Eh ben oui, merci beaucoup. Hein. Voilà. Nous la qu'elles autres, hein. Nous toutes dans le même bain. Voilà. Nous toutes dans le même bain. Alors, écoute. Oui. Bon, vous savez que Dixmutla, c'est navire-là, soi-disant au départ, c'était un navire hôpital. Donc c'est Yovoye Rouna sous la Réunion, théorie, et pourquoi pas t'y, hein? Parce que d'après ça, nous t'en ici en Guyane, il semble qu'il a commencé à pareiller lundi. Alors, en seule explication simple, nous les savons en Guyane, navire-tala, puisque Yodi, mi-avril, les qui est sur zone anti-Guyane, parce que théoriquement, navire-tala, il peut desservir les Antilles, Guadeloupe, Martinique, Marie-Galante, c'est ça yo dit. Saint-Martin. C'est ça yo dit. Et Saint-Barth. C'est ça yo dit. Oui, c'est ça. Voilà. Nous savons ça très bien. Alors, tout en sachant que, vous savez, nous à 1500 km d'isote, vous savez ça. Si vous avez en Guyane, vous savez, il n'y a 2h30 de vol. Premier bagage. Alors, moi, les savent qui m'en y est, qui, genre, la France, qui a foutu DJ Moon, hein, nous, aux Antilles-Guyane, pour faire Moon comprendre que, yo kenny suffisamment réactivité, hein. Donc, ça, moi, les ça fait comprendre, non, c'est que 1500 km, déjà, en Airbus, hein, en vol régulier, ou qu'à mettre 2h30 de temps. À qui, genre, en
nous, en bout de chaîne, hein, ou bien comprendre, nous, à sous, nous, continentales. Et Mankawe mal qui, un hélicoptère, ces gens de hélicoptère Gazelle, Yunia, là, bête militaire, hein, l'armée, qui a venu récupérer ces malades guyanéens qui sont en détresse respiratoire. Ça les dit que c'est mon oeil au canitan, mot à beau hélicoptère, là. Vous comprenez ça, Mankawe, là ? Moi, comprends tout, même. Voilà, alors question est simple. Faut essayer, ouais, que les élus Guadeloupe, les élus de Guyane, les élus, donc Saint-Martin-Saint-Barth, exactement, côté bâtimental, là, le Dixmut, il est positionné. Est-ce que c'est en mi-temps l'Anméa ? Mon cas supposé, grosso modo, Yodivet qui mettait en zone peut-être 700 km, 700. Logiquement. Mais comme vous savez, la France, c'est tout et son contraire, hein, yo, à la ramasse, tout pas tout. Donc c'est mensonge à sous-mensonge. Et mon cas félicité par la même occasion, Elie de Mota. Hein, et Missier bien connaît le problème là. Donc essayez, connecter, contacter Missier de façon à nier ces précisions-là d'urgence. Ça capitale. Ah, hein. À quel c'est écrit, pas de problème. Voilà, alors ça c'est premier bagage. Deuxième bagage, essayez, ouais, Missier, pour rediffuser, puisque en Guyane, il y a Moon qui pas ouais ses vidéos là. Il y a deux vidéos Missier passées. D'après moi, il y a Missier prend au fond au jardin, un petit bourg, Mankawe côté A. Et puis il y a l'autre Missier fait, mon ouais, il me semble, samedi soir. Samedi soir. À quel c'est rentré, nous avons fait un bidon, c'est rentré, pas au gubé. Voilà, alors donc, pas les Missier dit ça, et dit quand ça nous a fait un lien âge, tous ces départements d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, la Polynésie et Mayotte, hein, sans oublier Mayotte, de façon à pour montrer position les anti-guyanais, la diaspora guyanaise vis-à-vis des situations catastrophiques nous qu'à vivre actuellement. Voilà. Ah ben nous qu'on remercie. Ah ben manquera remercie beaucoup et puis manquera plaisante en notre moment. Alors quand vous voyez un gros force, mamie, c'est Lido Mota, gros force, bah tout pour nous qui a porté manœuvre. Gros force, tout moun a qui a fait action. Gros force, bat toutes ces mouna. Merci beaucoup. Et puis nous apprécier en pile toutes ces autres cafés. Merci la famille. Lianage contre Covid. Boudoum. Covid. Yes, I. Ok, yes, I. Ciao, bye. Aka vraiment, juste avant la pub, une minute de radio, aka vraiment féliciter toutes ces mouna qui a risqué vie à you tous les jours pour les autres. Et franchement, ni 10 ans à parler de l'amour tous les jours. Et yo quand tu panis la mort, quoi, de pas dire menti à yo. Foutez vérité. Foutez vérité. Foutez vérité. Bon matin, ce matin, pendant que j'allais acheter du pain, mon pain, eh ben, il y a quelqu'un qui freine. Et pourquoi pas mon qualité, gros sachet légumes. Oui. Et de sachet légumes là. T'as dit laitie, t'as dit tomate, t'as dit concombre, t'as dit piment végétarien, t'as dit navet, t'as dit patate douce, t'as dit tout bité. La famille, moi, quand tu big up, vous quand tu m'as non chicanos, tous les jours, quand vous avez glanté les là, tous les jours, quand vous avez frappé si yo, tous les jours, quand vous avez laissé famille, vous quand vous avez sorti joumoule, moi, t'es jari, pour parler ma pepa, mis ça, c'est bas. Et pourquoi maman, qualité gros sachet. Après, ça qui est pour crier. Parce qu'à partir d'un panier, c'est un gros sachet, t'es doux, maman. Là, mais ça va, maman, maman. Oh, Doudou, t'as pris ça. Oh, vas-y, oh là, mais c'est un bouquet, bon, mais ça arrive là. Doudou. Son frère ou que. Ou maman, non. Mais pas au contenu, le dernier bidon, juste avant la pub. Pas profiter des malais à moun pour faire l'argent à zot. Pas profiter des souffrances à moun pour faire business à zot. A quand vous l'on moun là, yon ka fait panier, des paniers là de légumes, mais yon vise vende panier la pria. Nous ka fait vérité au bonsoir là. Nous ka voye des moun ka fait des paniers à légumes, mais parce que excusez-moi, en légumes, son kilo yon ka vende ça. Mais là, comme c'est la crise, yon ka fait consigne pénurie, pas ni pour pénurie. Mais yon bise vende panier là, priak. Non, maman, non. Arrêtez couillonne frère, zot prochain à zot. Nous avons un moment de crise, zot même bise, à nous même à nous. Respectez zot. Soit disant pour aider moun, mais c'est bizarre, zot bevè.
Arrêtez ça. Big up tous ces mouna qui ont fait des paniers et qui sont raisonnables. Mais les autres mouna, ils ont fait des autres. Ils ont fait tout bité. Ils ont fait des consoles de drones. Au moins, non. Parce que là, c'est cassoulet là. Tout le monde a parlé de cassoulet là. Mais si tu as bien gardé la photo à cassoulet là, il t'est marqué par deux. Même un prix à dents. Mais comment ni ce qu'on appelle une moitié, Big Up Joyce, madame Amoué. Ismaël Doudou, tu as dit ça, mais on regarde bien. Donc on veut habiter là. On veut photo là. Là, on veut photo là. Après marqué deux boîtes de cassoulet pour 10 euros. Mille là, nous avons pris là. Mais là, nous avons pris là, nous avons répété ça de tous côtés. Ah, cassoulet là, ah, cassoulet là. Mais cassoulet là, ouvert ticket là, si photo là, que vous marquez, deux boîtes de cassoulet pour presque 10 euros. Mais tout le monde a, comme c'est au buzz. Ah, ok, va y dire ça. Va y... Eh bien voilà, Bita Mouna, c'était marqué par deux pour cassoulet là. Allez regarder, comme ils ont vérifié. Télévision va manger sans publicité, après la pub nous va retourner. Reconnectez-vous. Le mot. Foutez vérité! Hey, apparemment, Tibazo, entre nous, soudainement, soudain, pendant la pub là, Zébri sorti recevoir. Nous pouvons pas parler, Bazo, parce que, j'entends parler de foutez vérité en la mon challenge. Eh ben, ça rappe, sorti recevoir, on peut pas parler, j'aurais vrai. Connecte parce que ça reste chaud. Bon, nous sommes partis, nous avons un habillé en bleu là. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous sommes parlé de l'autisme. Mais nous ne parlons pas de qui j'en ai. Et depuis le confinement là, il y a un maman qui t'a tiré la sonnette d'alarme pour te dire, oui, mais chica, vous savez, là, on a un petit autiste, rester confiné, eh bien, c'est dur. Eh bien, nous allons partir tout de suite côté Skype là, écouter pour ton témoignage là, qu'est-ce qu'il fait là. Allô? Ça va? Tu m'entends bien? Oui, attends, je t'entends pas encore. Allô? 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 Ça va? Oui, ça va, chica. Alors déjà, explique-nous, c'est quoi l'autisme? Wow! Mon point de vue? Ben oui, ce que tu vis, ta réalité? Ben, l'autisme, en fait, c'est une pathologie, mais je dirais une différence. Des gens, des enfants qui ont le cerveau qui fonctionne différemment que nous, un système de logique que nous, on a plus. Voilà. Moi, c'est ma définition de l'autisme. Mais médicalement, l'autisme, c'est un dysfonctionnement du cerveau, neurones. Moi, je ne suis pas convaincue de tout ça, mais ça, c'est mon avis en tant que maman. Alors, en tant que maman, c'est quoi ton quotidien? Comment tu vis justement avec ton fils et surtout le regard des autres? Le regard des autres, mais c'est ça qui est plus difficile pour toi. Hein? C'est tout ça, le jugement. Mais parce qu'il faut savoir que l'autisme n'est pas visible. Ce sont des enfants comme toi, comme moi. Il n'y a pas de signe sur mon visage. Des gens en général, hein, pour nous en tant que parents, donc il faut s'armer de courage et surtout apprendre à sourire aux personnes négatives parce que je t'assure que c'est check. Comme moi, on va parler de moi, on sent un moment qui nous caractère, qui nous marche sur le pied, donc là, on nous a dit que c'est pour nous, en répond, en tant que rouge, c'est pour apprendre sourire. Passer mon NASA et venir pour expliquer. Même si des fois, ils ferment, mais on va essayer quand même de comprendre ça et l'autre. Alors, la famille, qui gens ont qu'à vivre confinement là? Vous, en tant que maman, avec Eison, vous voyez, je vais chatouiller. Ok, Eison, vous là, pourtant, c'est vous qui avez parlé. Qui a vivre confinement là? Parce que nous savons que les enfants autistes, ils n'ont pas aimé rester enfermés. Exactement, ce sont des enfants qui ne supportent pas d'être enfermés, qui ne supportent pas, ils ont l'impression d'être prisonniers. Donc, c'est pas tout pour eux. Donc, Eison,
j'ai appris à mon fils à rester calme. Donc, je veux parler de moi hein, par rapport à Kelson. C'est difficile le confinement. Moi, on va dire, on va faire hors la loi. Avec des risques, on est obligé de faire hors la loi. Bon, heureusement. Allez, un message, Bao. Un enfant autiste est un enfant de Dieu qui donne la puissance avec ses doigts et ses mains à la valeur de son corps. Nous, les humains, nous ne comprenons rien. Il nous indique la terre avec la puissance de Dieu, mais nous, les humains, on en rigole. Et ça, c'est un grand, grand métamon. Il y a un grand, grand homme qui sort si vous voulez message avant moi. Parce que moi, pour moi, l'autisme, pour moi, ce sont des personnes et des petits spirituels. En cas de dire ça, franchement, mais vraiment spirituel, si vous n'avez pas, sont bénédictions dans moi. Redire ça encore. Il y a quand même un peu dans toute la Guadeloupe. Si vous n'avez pas, ils sont des bénédictions. Ils changent la vie en moi. Ils changent moi personnellement en tant que femme, en tant que maman, en tant que citoyen. Ils changent moi, si vous n'avez pas. Donc, en fait, les mamans, les parents, les personnes qui aident les personnes autistes, ne pas faire ça pour fatalité, de faire ça en d'autres gens, avec d'autres regards. Mais ça, je peux expliquer parce que ça finit tellement de maladies, mais c'est vraiment des petits mondes. Pas ça, mais je vous connais, il n'y a pas de disrespect autistique, mais chica. Dès ça veut dire fantôme, ça veut dire l'esprit. On passe à 26 personnes qui comprennent son cadre. Mais ces petits gens-là, ça leur vient pour habiter. Il n'y a pas de rentrer dans la religion, la spiritualité. Mais ça n'a pas de rentrer dans ça. Alors, la famille, ok, on va voir Kayson. Va voir Kayson, si moi, pour vous. On va voir Kayson, va voir crier. Où il est où? Kayson, viens un petit peu, Kayson. Viens voir Chica. Attends. C'est maman. Ça va, Kayson? Tu vas bien? Est-ce que ça va? Ça va, la famille? Ça va? Mi bête, si bouc, mi. Montre-nous bien, montre-nous bien. Montre-nous bien. Montre-nous bien. Il a couru. Il a couru. Il j'attends, c'est moi. Alors, la famille, ça va, Kayson? Boudoum! Eh ben ok. La famille, pendant qu'on dit que quand tu visites tous ces mouna, et surtout par rapport au confinement là. Je vais dire aux parents, je vais dire aux personnes qui ont des autistes autour d'eux par rapport au confinement, même si ils sont en train de faire, pas juger, pas pointer de boîte, ils ont pas en train de faire. Redire encore! Pas prêter jugement si nous, parce que ça ne nous parle pas dans le cas. Donc, il faut nous en la rue, il faut que nous fassions la faire conscient. Et en fait, il faut mieux que nous nous parlons dans le cas de ton danger pour nous. Parce que des petits mouns comme ça, là, ils commencent à faire des crises, ça va y aller l'épilepsie. Donc, nous, on peut faire des crises en dehors de coronavirus, mais nous faisons des crises d'autres gens. Donc, en même temps, nous sommes obligés de faire la loi. Donc, on va demander à ces mouns-là d'arrêter chez nous. Et surtout, il faut bien, nous ne sommes pas partis. Qui fait l'amour, on ne peut pas faire. Et on va encourager maman, mon père, ta fille, de rester positif par rapport à cette situation. Vraiment, d'un encourage positif pour pouvoir être calme. C'est important. Alors, grand homme, là, voyez un message par moi encore. Vous voulez aller ou pas? Ok, on va tout. Bon. J'envoie de la force à ce petit garçon pour qu'il puisse guider sa maman sur la terre. Dis-moi, Chica, bon, encore sa puissance au bâtiment. C'est tellement puissant. Et que mon oiseau sera destiné à passer dans le monde entier. Ouais. Ça sent grand nombre qu'on voit ça, maman, là-haut. Grand métamagnacou.
grand nom à comprendre. Il y en a pour Baoué, franchement. Salutations, Baoué. Grand nom là, même si on ne connaît pas tout, parce que. Papa, on va trouver moi. Il a coûté où? Merci d'être dans le différent. Merci pour mes salutations qu'on a essayé de faire passer. Parce que nous avons un monde qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça. Mon fatalité en pierre de tout, mais il y a un handicapé, pas comprendre. Donc, on va remercier vraiment. Autre chose, Chica. Vas-y. Qui nous en nous, en situation de handicap. On va pas faire ça. À ce système-là, c'est le mot handicap. Parfois, moi, on va vivre comme ça, on va pas faire nos handicapés. Voilà. Nous tous différents, d'ailleurs. D'ailleurs, nous tous différents. On va penser que nous tous autres. Redire ça encore. Nous tous autres, parce que si nous pas formés, nous pas dans le système, nous n'avons pas fonctionné pour tout. Donc, j'envoie beaucoup de force aux parents, aux grands-parents, parce qu'on va dire que grand-mère et grand-père vont vous donner des aux tati, aux tontons, pour qu'ils puissent rester près de ces pères à partir de son besoin, mais surtout, rester près de ces pères, rester calme. Ils ont dans ce qui est dans quoi ils ont écrit. Nous, là, ils sont tout ça. Et quand ils ne sont pas montrés par le collège, mais là, ils sont montrés par le collège. Et quand ils manifestent ça, dans tous les sens. Nous aider à ce confinement-là, ça. C'est des gens là, loin. Moi, quand ils sont là, ils ne sont pas avec nous, mais parce qu'ils ne sont pas très chers. Ils pensent qu'ils tiennent encore. Ils étaient autrement. On est là, ils ont fait risque pour nous contrôler. Bon. De toute façon, rien n'est à recrier, parce que l'autisme, c'est pas en 5 jours, c'est tous les jours. D'accord? Boudoum! Boum, boum! Yes, aïe! Eh bien, on peut crier, nous, 05 90 96 10 10. Eh bien. Ok, alors nous allons crier, Peter, parce que Skype, là, c'est quand même mal passé. Trop internet, si bon, pas ça, là. Ok. Alors, coupez-moi tout, là, la famille. Donc, nous avons pris deux trois appels parce qu'on a constaté que nous étions trop longtemps sur Skype là. Il a déconné. Donc, Willow, nous avons écrit tout à l'heure. Rabbi comme vous, nous avons écrit tout à l'heure parce que là, on n'entendait pas bien le retour. Allô? Bonjour, Chica. Yes, c'est la famille. Vous avez de qui côté? Marie-Claire de Paris. Paris, le prénom? Christian, c'est vous qui avez dit la guinette. Ah, qu'est-ce qui passe, Christian? Mais pas de cas bien de vous, là ou quoi? Ah ben là, moi j'ai encore fini au travail quoi. Ok, ben ouais, mais parce que vous travaillez vraiment dans le bidamoun, hein? Oui, parce que là, au sein de Bandama qui sortit parler là, eh bien, en cas de travail avec des enfants autistes. Quand on moi. Oui, quand vous, vas-y. En cas de travail avec des enfants autistes, et puis là, ouais, que y a des parents par rapport au confinement là, ils ne peuvent pas garder ces petits mouna. Eh bien, nous, on travaille pendant toute la semaine. Nous allons dormir sur place pour nous occuper de ces troubles handicapés. C'est des autistes avec des troubles associés, mais c'est des enfants qui sont assez durs. Mais nous, là, pour nous porter d'hommes là, et puis moi, on va faire avec nous pendant toute la semaine, mon travail, et puis il y a une équipe qui a valé nous 8 jours après, comme là, mon travail, mon traiteur à la maison dimanche, et puis après, on va partir la semaine prochaine. Mais c'est pour basser son mise en faveur parce que c'est dur pour eux. Voilà, ça va dire. D'accord, et oui, oui. Ils ont mis un espace, ils ont mis couru, il n'y a pas mon quartier, il s'y passe. Mais bon, c'est travail à nous qui a fait plus de 30 ans qu'à faire. Pas de bon problème. Eh bien, d'accord, il y a d'un côté, la famille. Qui j'habite à ramasser? Eh
Bédida demandé même une, parce que madame, on m'a dit qu'elle travaille comme infirmière. Comme infirmière, et puis pas à la maison non plus. Ah ouais. Pour être confinée à l'hôpital aussi. Non. Et puis, voilà, nous pas sortis, enfin pas sortis, nous on travaille dans mon pas sortis. Mm-hmm. Mais, bitin là, au posé, si nous n'avons moins bitin, il y a qu'à frire moins, on peut avoir yo. Alors bon, c'est un travail qu'on fait, et puis on fait jusqu'au bout. Parce qu'il faut nous combattre bitin à ça, vous m'en avez dit comme ça, d'entraide. Et puis moi-même, on s'en foutait, mais j'en fais 48 heures de boulot sans arrêt, en ça, on s'en fait pour 8 heures. D'accord, la famille. Vous comprenez? Eh bien, vous voilà. Connaissez. Boudoum, on bien content de vous. Solide. Et ouais, yes, yes, Johnny. Yes, Christian, boum. Nous comprenons notre appel. Allô? Donc, on ne peut pas répondre si portable est déchargé. Donc, criez 96-10-10. 0590-96-10-10. Eh bien, voilà, people. Hein. Donc, essayez. Faire le tour. Allô? Allô, allô, allô? Oui. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Attends, restez là, ok? Oui, vas-y. Oui, allô? Oui, tu nous appelles d'où? Bonjour. Faut couper le son de la télé. Quand vous appelez, faut couper le son de la télé. Allô? Allô? Faut couper le retour de la télé, le son de la télé. Faut couper le son de la télé. Faut éteindre la télé. Éteignez la télé. Allô? Laissez-moi crier la famille. Faut encore couper son à télé là. Soit on éteint la télé là. Soit on couper son là. Soit on met son là à zéro. Parce que sinon ça va faire la scène et nous pas qu'attendre d'autres. Allô? Allô? Oui, vas-y. Oui, allô, bonjour. Tu nous appelles d'où? Oui, j'appelle de Marigot. À Marigot de Saint-Martin? Non, Marigot de la Guadeloupe. Marigot, donc Marigot se trouve où en Guadeloupe? Ah, ben c'est sur Bouillante. À Bouillante, donc tu appelles de Bouillante à Marigot à Bouillante, vas-y, oui, on t'écoute. Bien sûr. Vas-y. J'appelle pour te dire, te remercier, ce que tu fais là, c'est bien. Merci la famille. Et j'apprécie ce que tu fais. Merci. Et je te dis mille forces, courage, et continue à ce que tu fais là, c'est bien. Et je dis à tout le monde d'écouter ce parole, de rester confirmé chez eux, écouter les conseils. Parce que tout le temps tu parles à la radio, j'écoute ton émission, c'est bien. Parce que la vie est belle. La vie est moi, belle. Je reste chez moi, confirmé, et j'écoute les conseils. D'accord, et la famille. Et je dis de continuer de suivre les conseils. Et big gosse et big force pour toi, Sikanos. Pour toi aussi, la famille. Gros bisous. Merci beaucoup. Ok, gros bisous. Force. Alors, nous allons essayer pour le maximum d'appels. Allô? Allô? Oui, tu nous appelles d'où? Attends, je vais mettre le parole. Allô, tu nous appelles d'où? Les Abîmes. Le prénom? Gladys. Vas-y, Gladys, on t'écoute. Alors, moi, c'est une chanteuse. Mm-hmm. Et en cas de faire une chanson engagée. Alors, peut-être qu'on connaît moi, je ne sais pas, avec Gladys Martelly. Oui. Mais écoute-moi, en cas de faire une intervention pour indiquer, moi, je travaille avec Timoun. Mm-hmm. Et qu'on peut trouver Timoun, tu sais, dans les écoles. Et qu'il y a des services spécialisés pour ça, mais des fois, ça peut quand même marcher bien comme il le faut. Mm-hmm. Et que je trouve qu'il n'y a pas assez moyen pour ces Timoun-là, justement, parce que Gladys dit qu'il y a différents. Et madame, là, tout à fait une raison de prendre comme ça, parce que c'est ça qui t'a rendu la positive. Il y a quand même un envie. En un clip, non, c'est écouter maman. Si vous allez chercher sur YouTube, vous allez trouver écouter maman, écouter ta mère en gros. Et avec le clip là, ça, premier petit monde qu'on voit, c'est un petit monde qui est autiste. Et après, j'ai réuni des dons. Maintenant, il y a réuni des dons que d'autres petits mondes ont mis. Dons d'acteurs, de dessinateurs. Et c'est vrai que nous tous, c'est des gros autistes. À des degrés différents. Nous, quand juste qu'ils viennent adapter nos systèmes-là, à ce qu'ils recommandent de nous faire. Mais yo, les vrais, quand ils ont les autres, les communicants, ils n'ont pas hors de limite là, ça. Mm-hmm. Et faut nous comprendre ça. Et ça belle qu'on va faire ça pour les autres jeunes là. D'ailleurs, ça quand on songe, l'issue PC là qui passe ça, c'est Canal, c'est le jeu là, dans d'autres émissions, pas émissions, pas par rapport à ce qu'ils mettaient en place. Il dit là, ça va être passé les chiens à moi. Eh bien, moi, en tant que madame qui m'a dit, il y a deux formules là, en français, les chiens, c'est qui?
Eh bien, tout le monde en nous a dans aussi. Et nous aussi, nous connaissons partout dans le monde. Et nous n'avons pas qu'à voir. Nous avons juste exprimé nous. Parce que lorsqu'on n'est pas bon, il faut dire pas bon. Parce que même si tu es un chien, bon, manger, pas bon, garder. Ou pas laisser à côté, ou pas garder. Donc, tout le monde en nous pas des chiens. C'est les futurs adultes du demain qui ont bien veillé sur nous. Et si nous pouvons faire un bien, qu'on ne sait pas faire là, ça bien, ça très très bien. Merci la famille. Les activités pour eux, parce que moi, quand vous avez en l'eau, en l'eau, capacité, c'est justement, vous avez en l'eau, l'amour. Et vous avez quand vous avez un paquet de l'amour aussi. Donc, c'est quand même, moi, bien aimé qu'on a fait, en cas pris, c'est ça. Merci la famille. On sait vite, on sent très expressif, vous avez un fort. Rabat l'impression. Oui. Vous avez l'impression, une émotion. Mais continuez de travailler. Merci la famille. Donc, vous voyez, vous regardez sur YouTube. Écoutez, maman, et vous savez ce que nous faire? Nous allons garder, nous allons numéro un, essayez de voir WhatsApp là-bas, moi. Pas WhatsApp, ok? En même temps, sinon, aussi, c'est pas oublier de mettre un genou à terre. Nous attendons la même. Pas oublier de mettre un genou à terre, d'accord. Quand vous voyez ça, tout de suite, depuis chaque jour que paye. Boutoum. Eh bien, nous parlez, la famille, ok? D'accord, boum. Tout le monde a un cachet pour bien faire aussi, il y a un eh bien, nous allons faire force là, big up. Et je ne peux pas sortir de ma famille, mais quand je fais la boule, vous racontez. Boudoum, carré. Allez, force pour les handicapés, pour les autistes, tous les parents qui sont autour et les personnels. D'accord. Voilà. Boum. Pas de problème. Alors, juste avant la pub, envoie un message sur Facebook, Fanny, vite fait. Alors, Joey Kadinou, Chika, je viens d'apprendre que ma femme a des symptômes du COVID-19. Elle est agent hospitalier. On lui a refusé le test et il oblige à travailler quand même. Alors, Joey, ça va passer qui côté? Est-ce que c'est en Guadeloupe? Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est en Martinique? Est-ce que c'est qui côté? Qui côté ça va faire? Parce qu'il faut nous savoir c'est qui côté. Akabi comme tout le monde qui connecte, Dieu calme tout le monde. C'est l'heure de la pub, Zeb. Télévision va marcher sans publicité. Après la pub, nous allons retourner. L'amour. Donc on vient de m'annoncer dans l'oreillette qu'il y a une équipe médicale de 20 personnes qui vient d'arriver en Guadeloupe pour faire face à l'épidémie du COVID-19. Donc une équipe médicale de 20 personnes. Donc vous saurez plus en détail dans nos futurs programmes de qu'est-ce qu'il y en est, ils sont qui, ils sont composés de combien de docteurs, combien, on verra tout à l'heure. Mais pour l'instant, on parle encore vers vous, chez vous, près de vous, dans une vidéo, et pas crier. On nous voyons. Bonjour, 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 bonjour. Encore mon petit vidéo, puisque bon, c'est qu'on s'habite à y'a qu'on est là, le bûcher fait la vérité. Il ne demande pas à prendre conscience. Mais il n'y a qu'à refuser de prendre conscience des situations là, nous qu'on vivre là. À son boulanger, bon, on doit y travailler puisque bon, il y a du fort à y travailler. Mais est-ce que vraiment faut y travailler? Parce qu'il y a comment de tout le monde confiné. Hein? Et si vous commandez des gens confinés, c'est qu'ils ont un grave problème. D'accord? Bon, nous avons fait parce que nous avons des gens qui peuvent dire ça. Conscience professionnelle, sauvée. Mais nous avons pris un risque. Nous avons pris un risque parce que nous avons des gens qui comprennent que l'on va venir acheter pain, pas prendre un pain. Pour ouvrir les lendemains encore, prendre un pain. Le surlendemain, ils auront oublié pour un pain. Acheter pain en grande quantité, congeler à Casazot, avec rester à Casazot. Parce que les gens qui commencent à tomber, quand ils pain. Si ils n'ont pas goûté, ils n'ont pas goûté, mal à arrivé. Ils ont pas besoin de comprendre les gens. Ils ont tous les jours dans le boulanger chercher pain, mais si ils ont fini, ils ont fait des gens. Ils ont besoin de comprendre qui j'ai envie d'aller. Diable a fait travail, il a ramassé normalement si t'es à bon Dieu. Prends précaution à Zot. Rétat à Casa Zot. C'est mais c'est ça très bien quand vous voyez. C'est pour ça que vous avez rétat à Casa. Vous savez quand vous avez fait. Vous pouvez dire ça, vous avez fait. À pas bon Dieu. Mon Dieu, pas j'ai fait ces vidéos. Mon Dieu, qu'a permettre que ça fait pour vous prendre conscience qu'il est là. Mais à pas bon Dieu, il a fait ça.
C'est nous qui avons fait le travail ici. Nous maudits en l'été là, ça, vous comprenez ça encore des autres. Nous qui avons détruit nous. Ça a toujours été comme ça. La destruction de l'homme par l'homme. En train de scier la branche sur laquelle il est assis. Détruit la planète là. Et détruit nous. Je dis autres états à casa autres. Les autres viennent à boulanger là, acheter pain. Prendre 10 pains, 15 baguettes, ça sauver. Mettez à casa autres avec, restez à casa autres. Arrêtez de sortir des rois comme ça pour acheter un pain. Faire provision aussi les faut, mais pas venir amener des gens. Ils auront obligé les gens à y travailler. C'est les autres qui ont fait ces gens qui travaillent. Parce que c'est les autres qui ont arrêté à casa autres. Tout le bitin était fermé, tout le bitin était bien. La vérité, hein. Le coq chanteur a trois fois. Hein. Donc, avec on ne sait pas comprendre. Si nous avons vu, nous avons acheté une baguette, un pain, un croissant. Avec les noms des mêmes matins, nous revoyons encore la boulangerie là. Dès lors, on vit le mot de Cambon, vous comprenez? Le mot de Cambon, nous avons vu ça. Hein. Mais pour respect, vous comprenez? On ne parle pas de ça. Mais dès lors, on vit ça. Mais quand pas comprendre les autres, vous dites que vous êtes à casa les autres. Sorti une fois par semaine s'il le faut. Bien protégé. Mais les autres sortent tous les jours. On va faire mon chier papier. Ah, avec ces autres, si ils n'ont pas pris conscience, mal, ils arrivent les autres. Un homme averti en vaut deux, ils disent que l'État a casé les autres. C'est très bien quand ils voyaient dans la nature. Ils sont là pour détruire le maximum des mondes. Ils n'ont rien à foutre. On est là, on tient besoin. On tient besoin, hein. Depuis en janvier, depuis en décembre, quand on a malmené la planète là, c'est quand il y a là, la France qui a commandé 1 milliard de masques. Quand il y a là, on a commandé 1 milliard de masques, parce que ça n'a pas rien à foutre. Alors prends précaution aux autres. Restez à casa aux autres. Vous ne savez pas ce que ça veut dire restez à casa. Pas vu une porte ben nous, puisque nous là qu'a fait un travail bas autres, nous qu'a préparé pain pour bas autres manger, d'accord, c'est le pain quotidien. Mais on peut en vivre tous les jours en boulangerie à moun là. Et d'ailleurs, on pas dit tout. Rita à casa autres, on parle bas autres. On pas gérer rita à casa autres. Bon Dieu même pépé fait rien bas autres. Si on pas rita à casa autres, on parle bas autres. Coutez pour t'entendre pour comprendre. Alors pensez aussi pour tous ces mouna qui pas ni jardin. Pour tous ces mouna qui carité en appartement. Parce que c'est vrai nous en Guadeloupe, mais pas tout pouna qui ont jardin. Ni des moun qui ont appartement. A quand des moun gars dit ouais, on peut planter en quitté. Combien moun ni en sorte en Guadeloupe là? A quand penser ni plus moun qui panique qui moun ni terre. Faut dire la vérité aussi. Avant, tu payes nos petits animaux, en cochon, en cabrit, en poule, ou tu payes tué, en bœuf, mais il y a des poutures en bête. Y aura rien à loi bas. Ah ben oui, avant tout le monde a tenu jardin, tout le monde a tenu les animaux, mais il y a pour les animaux, il faut élever, il faut déclarer, il faut les animaux, et ils en ont tout bien. Nous avons passé côté téléphone là. Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, ça va? Qu'a crié, passe en route. Dis-le ça encore. Deux mondes, trois mondes, ils ont dit qu'ils auraient été à Casazote, c'est mon acte sorti. Quand ils ont besoin, c'est que tout le monde nous fait un mot pour que je vienne de Théanoal. On va comprendre. Et ça, on a dit félicitations. Nous ramettons nous en main à Dieu et nous pas fait l'argent qui est sorti, là pour y sortir pour tout vite
connaître solide, solide pas liquide. C'est Lyon qui a fait Lyon. Rédio encore. C'est Lyon qui a fait Lyon. Ça y est, comprenez. Boudoum. Alors, qu'est-ce que nous lui appelle 05 90 96 10 10 ça. Nous avons passé côté téléphone. Allô? Allô? Bonsoir, tu nous appelles d'où? Allô? Oui, tu nous appelles d'où? Allô, Chica? Oui, nous avons écouté. Ok, le prénom. C'est-à-dire, c'est quoi? Allez maintenant là. Ah bah regardez ça. Allez, regardez. OK, essayez regardez mais c'est gagné mon gars crier moi en même temps. OK, téléphone là pour décharger, on peut pas même garder il mort. Ah j'ai arrêté crier sur téléphone on crie là, on peut pas faire. Voilà, voilà, avec abouti. Pas les pompes batterie au mon téléphone. C'est pas là. Voilà. Il est voilà. Appelez, voilà, plus, va charger. Allô? Allô? Allô, allô? Ah ben, justement, alors, Joey Casino, que, alors, bon, que madame a ni des douleurs, la fièvre, tout ça. Alors, ma tête fièvre, et on lui dit de rentrer chez elle et de rester confinée. Aussi à Chidamien, quand il dit ça, en France. Mais malheureusement, aussi, c'est ça qu'il a fait Guadeloupe aussi. Hein. C'est le cac, vraiment, on ne peut pas respirer que il a pris, mais bon. Par contre, je regardais le journal, le grand journal du Trésor en France, et j'étais content au départ. Est-ce que nous avons foutu la vérité? Là. J'étais donc content parce que on parlait de la Guadeloupe. Donc j'ai dit, je vais regarder le reportage. Donc on a montré la plage, c'est vide. On a montré les revendeurs de fruits et légumes, qu'il n'y a pas de gens. Et après, ils sont allés à l'hôpital. Et à ma grande surprise, j'ai entendu au journal national qu'il n'y avait pas de problème à l'hôpital de Guadeloupe. Que tout le monde était prêt. À ma grande surprise. Pourtant, ce n'est pas ce que j'entends tous les jours. Ce n'est pas ce témoignage que j'ai tous les jours. Mais à ma grande surprise, au grand trésor, on disait oui, oui, nous sommes prêts à tout. Pourtant, on vient de voir que à peine ils avaient des masques, heureusement, il y avait une équipe comme Charlie et Willow qui sont allés amener des visières. Et pourtant, au trésor, quand j'ai regardé le journal national à 13 ans, bon ben voilà, faut désirer quand même. J'ai pas eu la même version. Donc on dit, mais attends, on va pas arrêter Guadeloupe. Peut-être c'est moi qui parle de Guadeloupe. Pendant qu'on comprend Guadeloupe de notre côté. Parce qu'il n'y a pas de réalité là qu'à voir. Donc les gens qui parlent, vrai, ils regardent le trésor de journal, le trésor national, sur la grande chaîne nationale. Et ce que je dis, moi, quand on va passer des reportages là, voilà. Alors, nous capables de servir. Willow, nous est là. Qui est là, Willow? Salut, mon gars, ça va super bien. Ça va, alors? Comment ça va? Bah, écoute, alors, les symptômes vont mieux. 4-3, plus par là, plus par là. Encore? Plus? Ouais, voilà. Super, on t'écoute. Alors, félicitations, hein, déjà, pour tout et pour... Ah, même ça fera pour 10 autres. Parce que ça fort. C'est avant tout une action citoyenne qu'on fait avec le cœur, comme l'a dit Charlie tout à l'heure. Donc, on s'est rendu compte du réel manque du personnel médical en termes de matériel. On ne pouvait pas rester dans l'inaction et donc on a mis en place cette chose de manière totalement naturelle. Alors, quand tu es allé au contact justement du personnel de l'hôpital, comment ils ont reçu cette initiative? C'était tellement émouvant hier, la distribution. J'en ai encore de la chair de poule et des frissons. Il y a plusieurs infirmières qui en ont pleuré quand je leur ai remis les visières. Pour te dire que vraiment la détresse dans laquelle elles se trouvent aujourd'hui,
et la fatigue et qu'elles sont au combat au jour le jour. D'accord. Alors, pendant on dirait, oui, le corps TV dit c'est Mouna parce qu'ensemble, ça va continuer demain et dans les jours à venir à distribuer. Donc, demain, vous distribuez où? Donc, demain, on distribue au CHU et également toujours au sapeur-pompier de Saint-François. On va également aller à la polyclinique. Donc, au CHU, on va consolider les dernières dotations, service d'animation, l'autre opératoire, aux urgences Covid-19 et d'autres services aussi qui sont faits d'avoir des patients Covid-19, notamment la maternité, la pneumologie. En parlant de ça, j'ai un message à faire passer du corps, un témoignage d'une personne qui a son parent qui est pneumologiste. M'a dit qu'ils n'ont pas de bouteille de manière suffisante, donc ils demandent aux parents des patients d'amener des bouteilles d'eau et des packs d'eau. Je lance un message aux entreprises. Vous pouvez faire des donations en masse, livrer des packs d'eau aux CH dans les différents services, parce que c'est inadmissible dans ces temps de guerre. Vous ne l'utilisez pas pour pallier à ça. C'est incroyable. Lundi, ils avaient un pack dans On t'écoute, vas-y. Ensuite, j'avais un message à faire passer pour compléter l'action qu'on a mise en place de don de visière ce matin sur mes réseaux. J'ai créé une cagnotte Letchi qui permet à tout un chacun, particulier chef d'entreprise, de faire un don du montant qu'il souhaite par rapport à ses possibilités. Et du fait que j'ai déjà les contacts en termes de soignants et surtout en termes d'entreprises qui peuvent nous fournir en matériel très rapidement au niveau local, nous permettre de réagir au plus vite avant le virus pour pouvoir relivrer différents types de matériel, à savoir des gants, des masques FFP2, des surblouses, du gel hydroalcoolique, des visières. J'en profite pour dire que la société SFP qui nous fabrique les différentes visières. J'ai le patron tout à l'heure qui m'a dit que lundi, nous sommes, en plus de ce qu'on a commandé, nous sommes. Donc ça, c'est le genre de geste solitaire pour la pression. Et j'aimerais que tous les autres chefs d'entreprise, d'eux-mêmes, se sentent mobilisés et mettent la main à la poche. Pardon. Alors, est-ce que justement, tu peux nous donner le lien là-dessus? J'invite tout le monde à aller sur mes pages. C'est bon. Big up Zébris, il est déjà mis. Boum, c'est déjà marqué en bas. Alors, tu voulais finir où? Quel message que tu as pour l'enfant? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Ben, les gens, restez confinés, restez sensibilisés. Le pic du virus approche. N'oubliez pas nos soignants qui sont vraiment dans la galère. N'hésitez pas à faire des dons. Je suis conscient qu'à la base, c'est pas à nous de faire ça, mais on se sent tout mobilisé parce que demain, ça peut être aux proches, aux parents, aux amis qui sont atteints du corona et peut-être qu'ils vont être plus de ce monde dans quelques semaines. Donc, agissons. Boudoum. Eh bien, on se connecte la famille. Peace force solide et on reste connecté, on continue le combat. OK? Big force à tous. Yes, I. Boum, eh bien, nous avons vu, on l'a combat et à 400 habitants. Coupez retour là, la famille. Pendant nous là, nous avons travaillé. Mais, je vais avoir un challenge là que j'ai pris là, foutre les verres dans la moune. Pouh, nous avons vu des qualités habitées encore. Des sortes de. Attention, restez connectés. De toute façon, ça passe tous les jours sur Canal 10. Sur la page Facebook de Zébris Seldem aussi, sur la page Facebook, clique-moi ça. Et du très très lourd à venir. Nous allons passer côté téléphone là. Allô? Ok. Allô? Oui, bonsoir. Alors, faut couper le son de la télé. C'est fait déjà. Voilà, on t'entend bien. Voilà, tu nous appelles d'où? Ben, c'est Papillon et Christelle. Papillon, ça va? Très bien, merci. Ça fait plaisir de t'entendre. On t'écoute, vas-y. De même. Bon, alors, Charlie, je le connais pas. Je le connais pas. Franchement, je regarde la télé, chicaneuse tous les jours. J'écoute, je regarde. Merci. Ça fait plaisir.
un gros cœur pour lui, un gros, 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 gros même pour lui, parce que... Comme ça ou comme ça? En cas de gros cœur, en face à un gros cœur, en gros même, ah ouais, en gros oui. Cœur, là, ça même. Parce que, félicitations, lui avec le DJ là, franchement... DJ Wheeler, et toute l'équipe, oui. Oui, sa femme, ils sont nombreux. Ils sont Bretaille, voilà. Là, toute équipe à yo. Voilà, non, franchement, félicitations, parce que c'est un gros travail, ça. Et c'est en gros, parce qu'en tant qu'on met l'argent, c'est... Oh là là, on va même pas parler, parce que ça m'a fait plaisir. 10 000 euros, faut nous dire. Oui, non, mais on veut dire, mais ça franchement, ça belle. Ça belle, ça belle, ça belle. Et puis, si Mme Chabine n'a pas parlé de métropole, là, là, oh, d'où ça tient, dis-moi. Eh bien, on savait la famille, son challenge qu'on fait, parce qu'en dis-moi, tout le temps, nous allons mettre pour nous en avant. Mais il faut nous mettre en avant les gens qui ont contact avec le virus là. Ouais, et ouais. Comme nous perdons confiance dans le monde, si c'est ces gens qui sont au combat, qui ont parlé de nous, qui ont raconté nous, témoigné nous, ça nous fait, nous pouvons comprendre. Et là, vous voyez les vidéos là, ça. Mais les vidéos là, ça qui représente exactement le challenge là, quand vous avez fait là, en tout cas, j'ai passé. Où ça habite, papillon? Pas accroché. Zeb! Ouais, voyez vidéo à filmer là encore. Et restez là, pas accroché. Ouais. Nous allons voir encore. Anyway, bonjour. Habitant de Pointe-Noire, bonjour. Je me présente Ludivine de la Robertière. Je suis aide-soignante dans un hôpital de Paris. Je vous demande d'être très attentif à ce que je vais vous dire. Ne rigolez pas avec le coronavirus. Ne pensez pas que ce n'est pas grave. Parce que je peux vous dire que, en ce moment, 10 faits à Paris, et en France, tout partout, dans les hôpitaux. L'hôpital a moins changé. Nous avons des soins palliatifs, nous avons une unité corona, COVID-19. Tout l'hôpital là, c'est coronavirus, nous n'y. COVID-19, nous n'y. Moun ka mort, par paquet, tous les jours. Tous les jours. C'est des gens qui étaient bien chez eux. C'est des personnes âgées, peut-être la soixantaine. Yo te ka fait ménage a yo, a kaze a yo, yo te ka niti jade a yo. Et quand yon là, en 5 jours, yo ka pati, fami a yo pe pa vre yo, fami a yo pe pa ni pour contacte ve yo, nou ka met yo a don ous, et après, c'est terminé. Moi, ça m'arrache le cœur. Ça m'arrache le cœur parce que je suis dedans. Je suis dedans, et je mets ma vie en danger, la vie de ma famille, de mes enfants. J'ai ma petite qui est à la crèche de l'hôpital. Donc, s'il vous plaît, restez confinés. Vous êtes en sécurité. Vous avez la chance d'être ouvert. Les portes sont ouvertes chez vous. Vous avez le jardin autour de la maison. Franchement, c'est triste ce qui se passe en Guadeloupe, en France actuellement. C'est triste. C'est là, vous voyez des couloirs vides. Tout le monde est confiné dans leur chambre. Voilà. Et... Sincèrement, je ne sais pas quoi vous dire d'autre que de rester chez vous. Restez chez vous. Allez, je retourne au combat. Mes collègues m'attendent parce que depuis ce matin, 6h30, c'est ça nous qu'a fait. Rentrez patient, sortez patient, mettez-vous dans la rousse, descendez-vous. Et c'est en qui ça nous qu'a fait quand il est là. Et moi, j'essaie de retenir mes larmes par rapport aux familles. On n'arrive pas à leur dire les choses vraiment. Voilà. Donc, c'est chaud, chaud, chaud. Et j'ai pas envie ça pour la Guadeloupe. J'ai pas envie ça d'entendre que les gens... la Guadeloupe, trop petit. Si la Guadeloupe mettait en l'air à la France, vérité, mon Guadeloupe. Donc, respectez ça. Merci beaucoup. Je retourne au combat. Allez, bye-bye. Alors, Papillon. Oui, Chica. En relation, on appelle encore. Parce que ça, c'est un challenge qu'on avait vraiment fait. Hashtag ange gardien en nous. Les pompiers, le SAMU, les infirmiers, les ASH, les infirmières, les aides-soignants, les ambulanciers, toutes ces mouna qui travaillent, qui ont contact avec le virus là. Ouais. Voyez vidéo à zot ban moi. Même si vous mettez sur Facebook, identifiez-moi. Ouais. Ange gardien en nous, ma ke chikane, s'blika oblike, kwasa ke niyan ke récupéré, parce que laissez des moun nous connaître qui ka parler ban nous. Et so ka vwe, pas ni pi bel témoignage qui pe pi fort, qui la réalité, ça fait spécial. Donc, vrai. Tout ces mouna, qui moun encore, les éboueurs,
les boulangers. Qui m'ont encore pas payé des moins, bon force. Ben, moun qui a travaillé à l'hôpital, légumes et fruits. Voilà, les pêcheurs, les bouchers, les agriculteurs. Voilà, tout ça, c'est vrai parce que c'est pour ça, Redouchika. Chaque moun a fait vidéo à Zot, parce qu'il faut, c'est moun a comprendre que tous les jours, Zot a laissé famille à Zot, mari à Zot, et si moun à Zot. Parce que ça va être bon, quand c'était juste moule pour une canal 10, on savait canal 10 en gros morceau. Et comment. Oh là là, mis encore les prénoms. Il est vert là. Zébris. Voilà, Thibaut Grandcan aussi. Oui, là, il a. Il a. Oui, c'est mon nom. Papillon, a big up vous. Papillon. Oui, ils savent ça. Oui. Oui. Il a big up, it's you. Yes. Yes, I. Non, c'est pas facile. Et puis, en cas de a dit bonjour. À tout le monde, Zabi, monsieur le maire, bonjour, hein, comme d'hab, hein, d'accord, solide. Et tous les collègues de la ville des Abîmes, parce que eux aussi, ils font un gros travail. Pendant nous nous couchons à casa, nous l'amenons ça qui a travaillé. Et bon, maintenant, on a gardé ça en marchant. Cimetière-là, j'ai eu qu'à nettoyer cimetière-là bien. Et c'est mon ça aussi, tu vois. Tous ces collègues-là, ça, faut faire attention. D'accord, faut faire attention. Mais faut gagner pain à eux, contre tout le monde. Et force à toute la Guadeloupe, force à famille en moins, c'est vrai en moins, et famille en moins. Et Boutou. Chicanos, force bao. Je connais Papillon, big up. D'accord, bisous. Bisous. Bye. Bye. Alors, ni des mouns qui avant quand tu j'ai 100 mètres en moins, y'a qu'à comprendre que c'est gel hydroalcoolique. Non, ça c'est pas du gel hydroalcoolique. Ça, c'est une potion secrète, une potion magique. Donc, pour bien préciser, parce qu'il y a des gens qui ont fait cancan. Ou à connaître Dieu. Il n'y a pas connaître un bité, mais il y a fait cancan. Il y a fait différents bités du web. Tu penses qu'il y a gaspillé à pas gel ça. Ou j'ai vu gel coulé à ça. Ou j'ai vu gel coulé à ça. Là, on pas connaître ma dé. Et là, on m'a dit à répondre vous. Ça. D'accord. Ah là là. Donc, comme vous savez, c'est quoi? Ça, c'est un secret de grand monde. OK? Donc, émission arrive à fin. C'est un petit retard. Avant de venir, j'ai ce tout petit vidéo là. Là, je vais montrer les gestes. C'est très important. La dernière en noir et blanc. Nous allons voir. En noir. Nous n'avons pensé pour les sourds et muets, les malentendants. Nous n'avons pensé pour les mouns à mobilité réduite. Nous n'avons pensé pour les grands-mères, les grands-pas qui touchent à la casa. Nous n'avons pensé pour tout mouna qui a trouvé dans les EHPAD. Nous n'avons pensé pour les prisonniers, MA1, MA2, CD1, CD2. Le quartier des femmes, le quartier des mineurs. Les mouns qui l'a joué le Bastet. Les mouns qui l'a joué la Mautilic en Guyane pour tous les prisonniers. Nous n'avons pensé. Bah tout le monde qui a travaillé dans les pompes funèbres, nous n'avons pas pensé tout le monde qui a goumé contre ce virus-là. Rete à casa zot, prenez soin des autres, on nous rete en vie. Ça arrête, nous rete dans un paquet de temps encore, on ne va pas mentir à zot, nous rete comme ça un paquet de temps encore. Mais nous n'y moyen de sortir dans ça, si nous n'y la foi. Les gens qui ont prié, prié. Même les gens qui n'ont pas prié, c'est prié. À nous prier, à nous garder qui gens nous peuvent faire pour être en vie. Avant nous parler de après, à nous essayer de rester en vie. Parce que si vous ne pas arriver dans rester dans le présent, vous ne pouvez pas être dans le futur. À nous rester en vie et à nous prier. Sept notre Père par jour. Sept notre Père par jour. À nous essayer de faire tous les fois.
tous les soirs. C'est notre Père. Et chaque monde choisit de prier à Dieu. Prier Jean Levé, en manière à Dieu. Prier, c'est parler par mon Dieu. Mais nous parler par papa là. On nous repentit nous. Et moi, un message. Tout le monde peut-être qui a fait mal en vie à moi dans un jour. Peut-être des fois, sans même en te savent ça. Parce que ça a révélé, on a blessé des gens sans même vous savez. A commandé yo, bon, pardon. Tout le monde peut être blessé. En le voulant ou même sans le vouloir. Parce qu'il faut nous savoir aussi, repentis-nous. Mandez nous faire le mal, pardon. Mandez pour Dieu pardon aussi. Moment là, ça aussi, c'est un temps de purification. Et un moment aussi, de mettre en face du miroir. Et de garder ça au café, ça au jaffé et ça au café. Le passé, le présent, l'avenir. Ça au fait dans le passé, ça au café à l'air et projeté vers l'avenir. Recentrez-nous, entrez-nous, faites des projets. Gardez qui je nous que peut sortir en crise là ça. Quand qui était bon, quand qui pas était bon, c'est le moment du bilan. C'est vrai que nous avons un combat. Qu'il y a des victimes, qu'il y a des gens qui payent là encore. Mais moi, ça veut dire, si nous parents, même moi, peut-être, payer là encore. Mais, en serein, parce qu'ensemble, ça fait 10 ans, tous les jours, on va mettre mon service à la population, moi. Depuis que moi, je fais mes yeux, et ça vient, c'est là qu'on a gardé. On a décidé de changer, et on a décidé d'aider prochain à moi. Alors quand dis autres, mais c'est ça, on nous aide nous, on nous comprend nous, on nous check nous et on nous voit de l'avant prier en botte. L'amour. Belle richesse, hein? Et bien.